Bonjour, bienvenue sur ma chaîne F1 RCX. Alors aujourd'hui je voudrais vous présenter une vivace qu'on voit assez couramment, mais elle est d'une couleur vraiment resplendissante. Là c'est vraiment phénoménal au niveau de sa floraison, hein. Ça fleurit quasiment entre disons le mois de mai et le mois de juin. Il y a une dizaine de fleurs par pied, 10-15, je vois un beau pied là ici. Et donc dans absolument tout terrain, plutôt un petit peu sec, hein, dans toutes les rocailles. C'est une vivace, hein, donc elle ne gèle pas. Hein. Et son attrait, bon, le feuillage un petit peu argenté, hein, un petit peu velours, légèrement velours, et surtout au niveau de ces fleurs qui sont absolument superbes. Voilà, je vais essayer de vous les faire voir de près. Voilà la coquelourde des jardins. C'est vraiment superbe. Hein. Et ça va nous faire des graines, hein, une fois que la floraison est finie. Ça va nous faire des graines qui vont tomber, et hop, vous pouvez les ressemer ailleurs. Je vais essayer de voir si j'ai pas... Oui. Ici, là, vous voyez, la floraison ici est finie. On la voit encore ici. Et là, ça va se mettre à sécher. Et à l'intérieur, il y a des graines. Là, vous pouvez les récupérer et les ressemer. Hein. Alors, c'est magnifique en rocaille. Hein, c'est une vivace, donc ça ne gèle pas. Hein. Attrait, ça, surtout sa fleur qui est absolument magnifique. Coquelourde des jardins. Merci.